Quoi? Alors c'est comme ça que ça s'est arrivé? Non! Pas possible, je viens de voir l'épisode 12 et j'en suis... Oh là là, ça se passe vraiment de plus en... de mal en pis. Et Jake alors? Faut vraiment que je lui dise. Non, j'ai pas envie de créer le drama. C'est vraiment pas une bonne idée du tout. Oh. Aïe! 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 Depuis le temps que j'ai voulu te faire ça, Doc Dodgers, tu peux savoir à quel point je suis extrêmement frustré! Mais tu vois pas que t'es en train de faire n'importe quoi, du genre, ouais, tu veux me frapper? Alors que pourtant, je veux rien savoir! Toi qui me martyrises toujours quand je trouve, et du coup, tu penses sincèrement que tu... Oh! L'épisode du grand défi extrême, jamais j'en le laisserai de la tête, tu entends? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ça, c'est parce que c'était Louis Mercier que... qu'il m'avait ordonné de beaucoup de choses, de vouloir essayer de voir en sorte de martyriser grand Schtroumpf. Toute façon, ce Louis Merdier, on s'en occupe déjà de lui. Mais attendant, j'ai encore quelques frustrations contre toi. Aïe! 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 Wouhou! Ça virevole dans tous les sens. Alors, tétarte! Ah! Fais pas peur comme ça, quand je trouve! Alors... Alors, tu as bien vu l'épisode? Du coup, de quoi ça parlait? C'est vrai, ça? Tu peux au moins nous dire ce qui se passe? Ouais, alors explique-nous. Ouais, j'ai hâte de tout savoir. Vous m'en voudrez pas, en tout cas, que ce que je vais dire, c'est un peu embêtant. Pourquoi je serais si embêtant? Figurez-vous que... On est en retard! Oh, évidemment. Bah, le plus important, c'est qu'en fait, le Mario de la région a dit des choses vraiment horribles au sujet de Jake. Attends, quoi? Comment ça, des choses horribles à mon sujet? Qu'est-ce qu'il a encore raconté? Mais pourquoi il ferait une chose pareille? C'est une bonne question. Alors, Tétard, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, ce casse-cou? Il n'a rien inventé! C'est juste que... Jake, en fait, Mario t'a dit simplement parce que tu t'es un gros pleurnichard qui ne veut pas faire des efforts pour que tu ne puisses au moins nous passer à autre chose. Peut-être qu'on essaie de t'apporter notre aide. Et nous, alors, peut-être que tu n'apportes pas dans ce cas de ton aide par rapport pour nous. Et... Je veux juste, Jake, une chose. Tu peux pas arrêter d'être un gros pleurnichard et quand tu fasses à des trucs vraiment horribles et après tu te mets à râler. Écoute... Ça c'est pas le problème des autres, c'est pas ton problème. Parce que j'ai mes raisons, parce que quand il y a des niveaux difficiles, je vais bien comprendre des fois que ça me rend dingue. Ou alors du fait que quand il y a des problèmes, du coup bah je commence à paniquer parce que je ne comprends plus rien. Et si je comprends plus rien, bah comment veux-tu que je vous aide? C'est pas possible si j'ai pas de contexte. Certes, mais bon, vis-à-vis de Mario, il veut juste te faire comprendre qu'il faudrait que tu apprennes à te défendre. Et ça, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Ah, ouais. Et donc, et par rapport à Finn, tu sais, même quand Finn il y a des ennuis du genre, ouais, j'ai plus envie de jouer à Mario Maker, et toi, dans un des épisodes de Finn vs Jake, tu t'es lamenté sur ton sort. Et. T'es tarte. Je pense que Mario, il a là pour le coup, je suis pas d'accord avec lui. Hein? Je sais qu'il essaie de me comprendre. Je veux bien croire. Je veux vraiment croire qu'il essaie de me faire comprendre ce qui se passe dans ma tête. Mais bon, il ne sait pas comment moi je pense. Alors, quand il s'agit de Finn, c'est parce que c'est mon meilleur pote, mon meilleur ami depuis toujours. C'est parce que j'y crois fort en lui. C'est un peu comme, imagine un peu comme si ta copine te plaquait au sol. J'ai pas de copine. C'est un exemple. Oui. L'exemple, par exemple, si ta copine te plaque, forcément ça te met en état de dépression et du coup t'as du mal à te passer un peu à autre chose. Sauf que dans le contexte, Jake, le fait que Finn ne voulait plus jouer aux jeux vidéo avec toi, c'est parce que tout simplement Mickey t'avait entourloupé. Oui.
Mais en même temps, c'est mon meilleur pote. Et je sais qu'il me lâchera pas pour autant, parce que longtemps j'étais en dépression, ou alors le fait que la vidéo du youtubeur toxique qui m'avait genre ouais que je suis carrément le pire candidat compétiteur du monde. Mais bon, faut savoir un truc, c'est que moi je joue pour le plaisir. Alors même si je fais genre ouais je fais compétiteur, c'est faux. C'est juste parce que je voudrais faire un peu amuser les gens. C'est juste une histoire de se faire amuser et puis de toute façon tout le monde m'aime bien. Alors qu'importe. Et en tout cas, j'ai hâte de voir Finn pour le mois de juin. Grand Schtroumpf, à quoi tu penses? Ça va pas? Jake, sache d'une chose, je connais une date exacte quand on va le voir. S'il te plaît, dis-le-moi. Allez, je t'écoute. On va le voir le 18 juin. Le tournoi se fera à la région. Wouhou! Je suis content. Wouhou! 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 Ouais, mais il bouge beaucoup dans tous les sens. Ah, oui, 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 oui. Ah! Là, je vous jure, là, mon humeur s'est décuplée à 400%. Wouhou! Le 18 juin. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Pas arrêter ce bouger, arrêter de bouger dans tous les sens. Oh, toi, ta gueule. Aïe! Tu sers à rien. En ce qui concerne Mario, vraiment, c'est pas sympa de sa part. Même si je vais te faire comprendre, Jake. Même moi, je suis vraiment pas d'accord avec Mario. Même s'il a fait preuve de beaucoup d'arguments, il reste quand même le fait qu'il t'a quand même blessé. Ouais. Mais bon, si jamais je le vois, peut-être qu'il comprendra si je lui dis en face. Il sera peut-être du côté de Finn. Mais bon, du côté de moi ou de Finn, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est quand même de participer. Et ça, c'est bien vrai. J'ai hâte de te voir au tournoi, Jake. Tu mérites amplement de vouloir gagner. J'ai pas vraiment connu les Finn versus Jake d'un vue de côté, mais ça peut être intéressant à voir. Vous touche. Le Finn versus Jake, épisode 30, se fera le 18 juin. J'ai vraiment hâte maintenant de pouvoir mettre en place quelques inventions pour essayer d'y aller là-bas, tout en restant des Pokémon peluches. Tu peux arriver à faire ça? Bien sûr, je peux y arriver. Mais bon, ça serait un peu compliqué. Mais c'est faisable. Ah, oh, toi, souris, t'as vraiment un joli petit pétagueule. Oh, je vous jure, je vais le frapper. Mais tu l'as assez frappé comme ça. Encore. Ah, qu'est-ce que ça fait du mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, drôle de bouteille. Si je pouvais te prendre, voilà. Enfin sorti. Et par quel moyen? Sorti, enfin. Trop bien. C'est ça alors le mode. Il doit y avoir encore plus de choses à faire l'amour. Peut-être que je trouverai mon âme sœur. Trop, faites-le-moi virer de ça. Ok. Attendez, c'est lui qui vous embête? J'ai l'enfer qu'une bouchée. Oh toi, petite souris électrique, qui t'es quoi toi? Moi c'est Morpeko. Morpeko, est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? Je crois que surtout que ce mec est complètement starbé. Il a voulu me toucher le petit zigouigoui, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais le combattre, parce qu'il vous a vraiment causé des ennuis. Toi? Bah fais donc. Moi je peux même plus parce qu'il arrête de me casser les couilles toujours. Oh, et moi j'ai vraiment mal partout. J'ai pas envie de dire pourquoi. Ah, slurp, slurp, slurp. J'ai hâte de te battre. Si jamais je gagne, on fait l'amour pendant toute une semaine. Il est vraiment bizarre. Ok, c'est parti. Au combat! Un combat lancé par Oggy. Commençons. Roue libre. Ah, tu fais vraiment mal, tu sais. Mais plus tu fais mal, plus ça me fait du bien. Ah, alors, qu'est-ce que je vais devoir jouer? Morsure. C'est pas très efficace.
déclic fringal de Morpéco. Qu'est-ce qui est devenu? Pourquoi y a-t-il changé de forme? C'est spécial. J'aime pas du tout quand tu me touches. Connard de merde. Oh, il a pas l'air content du tout. Roue libre. On vient plus en plus ténébreux. Comment ça se fait? Les souilles. Dégueulasse. Des clics fringales. Ça déchaîne un peu. Plutôt impressionnant. Mâchouille. Coup critique. Je sais pas me battre. Down. Oggy n'est plus qu'à se battre. C'est Morpéco qui gagne le combat. Yes. C'est pas grave. Je te ferai quand même l'amour. Ah non, ça par contre, hors de question. Roue libre. Qui a le droit? Je peux percevoir la région. Je comprends absolument pas ce qui se passe. Mais d'où vous sortez-vous? D'une longue histoire. J'ai pas envie en tout cas d'en parler. Mais en tout cas, toi, Morpéco, t'as réussi dans ce cas à nous sauver. Et en plus de cela, je t'offre une petite promotion. Ça te dirait? Oh, une promotion, qu'est-ce que c'est? De venir dans notre équipe. Nous, les méchants. Tu ferais dans ce cas un parfait méchant, tu sais. Ah bon? En voyant ta forme de déclic fringal. Tu es devenu sur une espèce de forme affamée, n'est-ce pas? Ouais, c'est ma forme lorsque je subis un dégât. Entendu. Morpéco, tu viens avec nous. Ça me semble plutôt bien. Allez, j'y vais. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, je suis là pour apporter un coup de main. En voyant ta forme vraiment colérique, certainement que Franklin va se faire vraiment laminer. Morpéco rejoint le groupe des méchants. Ouais. Oh, ça c'est chouette. Stitch. Déclic fringal. Tous ces petits minus, je vais leur foutre la misère. C'est parti. Oh la vache, il est super rapide. Ah, il s'est volé. Attends-nous. Ah, c'est vrai, je peux pas aller vite. Oh, les roulades. Mimiki, allez. Oui. Si pour toi t'es confus, ou que tu te sens perdu, nous sommes là pour participer au défi les plus tordus. C'est ici que tout se joue. Venez les amis, on va faire les fous. Bienvenue à la caverne des défis extrêmes. Wow. Pas d'inquiétude, vos héros et zéros sont toujours présents, toujours là pour être gagnants. Et pas un perdant, non. Je vous prouverai que je peux réussir. Je n'ai pas le temps de périr, tous à la caverne des défis extrêmes. Ouais. Tapons dans nos mains, secouez votre bassin. Nous sommes là pour passer un excellent moment. Promis les parents, un espoir sans retour. C'est la caverne des défis extrêmes. Attends, Mario a dit du mal sur Jake. Bah, je crois que c'est vraiment le cas. Bah, de toute façon, je suis quand même assez d'accord de ce qu'il dit. Ouais, mais quand même. Si Jake, il se met en dépression pour son ami, c'est normal parce que c'est son meilleur ami. Alors pourquoi tu l'as pas dit devant Mario? C'est parce que... Je te rappelle quand même que je veux plus me rebeller. Rappelle-toi ce que j'ai fait dans le code des défis extrêmes. La honte. J'ai entendu vos conversations et vous n'avez même pas remarqué ma présence. Désolé, Ben. Je suis vraiment désolé. Franchement,
là, il faut vraiment que je dise quelque chose à Mario, parce que c'est mon pote, et en tant que pote du groupe, il faut quand même s'entraider. Salut les gars, mesdemoiselles aussi, vous allez bien? Salut Mario. Dites, c'est vrai que tu as dit du mal sur Jake? Ouais. Mario, franchement. Bon, je peux comprendre que tu veux pas supporter le fait que quelqu'un qui est en dépression alors qu'il est fort, mais Jake, c'est Jake! Tu vas quand même pas l'en vouloir parce que le fait qu'il a fait sa dépression 3 fois seulement. Est-ce que tu crois sincèrement que quand il fait les pires des niveaux, il fait son dépression? Bah... En fait, c'est parce que je voulais essayer d'améliorer, mais je pense que je n'ai fait qu'aggraver le cas. Sans blague! Oh, ça va, Bayona! Mario, tu sais, le monde, personne n'est parfaite. Même les meilleures personnes ne peuvent pas forcément être parfaites. Moi, je suis cool, mais je suis pas non plus parfaite. Jake, Mario, que tu reproches Jake le fait que c'est une dépression, mais tu crois pas sincèrement que ce que tu as fait, c'est vraiment trop exagéré? C'est exactement ce que je me suis dit. Mais je voulais juste essayer d'améliorer. Oui, c'est bien, mais tu peux pas forcer à améliorer. Tout simplement. Mais voilà, Jake reste quand même quelqu'un de très sympa. Il ne fait rien, il fait de mal à personne. Il essaie d'être sympa, il rigole aussi, il en kikine Sylvine. Mais c'est dans sa nature. J'ai vu les épisodes de Vite vers Jake avant ton retour. Et je vois que Jake, il a fait... Bah, après, je peux comprendre le fait qu'il fait son dépression parce que le fait que son meilleur ami était devenu fou. Est-ce que toi, tu se reporterais? Je pense peut-être. Au lieu de critiquer Mario, réfléchis un peu ce que tu as fait. Il a raison, tu le sais. Bah, je peux comprendre ton idée, Mario, mais je suis quand même à moitié pas d'accord avec ce que tu racontes. Je vois très bien où est-ce que vous voulez en venir. Surtout, Mario, ne prends pas mes paroles comme si c'était des paroles en l'air. Non, je suis bien placé de savoir. Et ça, ouais. Sinon, comment ça va avec ta copine? Ouais, ça va très bien. Ouais. J'ai cru comprendre que Gloria elle est vraiment très mal à l'aise concernant sur toi. Mais ne vous en faites pas. Je sais comment améliorer les choses. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se faire friendzoner. Ben, je suis vraiment désolé de dire ça, mais vous connaissez Mario. Il n'est pas vraiment un gentleman et il sait pas vraiment comment faire en étant en couple. Ouais, mais en même temps, la princesse Peach, c'est une grosse vache qui a osé larguer Mario malgré le fait que Mario a fait tout fait pour la sauver. Ouais, ça je peux comprendre, mais là on parle de Gloria. Ça va être franchement encore plus catastrophique. Encore plus que celui que l'un d'entre nous sera éliminé. Ah, c'est vrai, on avait perdu l'épreuve. Je suis quand même content que Simba a pu gagner l'épreuve. Ouais, pareil que pour Moustillon. À tous les candidats, à tous les boules roses qui ont perdu, rejoignez directement vers la salle des éliminés. Oh, tu as fait très bien, Conkers. Merci. Ça doit être peut-être le dernier épisode où Conkers fait son stagiaire. Je me demande comment ça sera avec son défi extrême. Je dois quand même vous avouer que j'ai hâte de reparticiper encore à un autre défi extrême. Tu as l'air déterminé. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Crocodile. Quoi? Tu n'as pas l'impression que quelqu'un nous observe? Pas vraiment, pourquoi? C'est juste mon idée. Bon bah, allons-y. C'est parti. Oh, j'espère que je ne serai pas éliminée après ce que j'ai fait. J'aurais dû utiliser l'équilibre entre le son et la longueur. Oh, quel idiote. T'en fais pas, Ishika. Tu es quelqu'un d'attachante, donc tu ne seras pas éliminée. Pour l'instant, pour l'instant. C'est pas pour te vexer, mais voilà. En tout cas, j'ai pas vraiment fait grand-chose durant les épreuves. J'espère pas être éliminé, honnêtement. Moi non plus, pour être tout à fait honnête. Enfin, au moins, d'un côté, il n'y aura pas de commentaires d'élimination. Bon, les boules roses. Malgré tous vos efforts que vous avez faits, vous avez perdu l'épreuve. Donc, l'un d'entre vous sera éliminé. Une fois de plus. Bah, on est que 8. Je parle de l'équipe Boule Rose en entier. Dans toute sa chronologie. Ah, je vois bien l'idée. Enfin bref.
On va maintenant, on va parler des commentaires. Alors, celui qui reçoit le plus de commentaires revient à peine et Wistikram. Ce sera à égalité. Honnêtement, j'ai déjà fait mon tour. Donc, je préfère laisser la place à peine. Tu voudrais dire que... Ouais, je laisse la place à peine pour le bonus. Super! J'aurai une carte de bonus! Non. Quoi? Où est-ce que tu veux en venir? Il n'y a plus de carte de bonus ni de pénalité. Je trouve que ça a rendu beaucoup moins d'intérêt dans les commentateurs. Mais... je veux dire dans les commentaires, en top pour moi. Cela dit, peine, grâce à Wistikram, tu as une immunité. Donc personne ne pourra voter contre toi. Trop cool! Mais on avait déjà passé la vote. Donc, ouais, j'aurais dû prévenir pour la prochaine fois. Enfin bref, bah, de toute façon, je te rassure, personne n'a voulu voter contre toi. Pfff! Ainsi que Wistikram. Super! Ishika? Soulagement! Ensuite, Franklin? Cool! Et Mayona? Ce qui s'ajoute entre Serena, Mario et Woody. Serena, tu n'as qu'une seule vote, donc tu es sauvée. Ah, bon, je n'arrête pas de tout le temps faire mon figurant, mais je ferai de mon mieux pour faire les autres épreuves. Enfin, ça dépend selon le contexte. Il ne reste plus qu'entre Woody et Mario. Woody, malgré ta participation, tu n'as pas vraiment été beaucoup utile durant les épreuves. Donc voilà. Mario, tu es dans la sélection parce que le fait que tu as critiqué Jack et que tu as fait énerver pas mal de candidats. D'accord, j'ai agi maladroitement. D'accord, mais je ne referai plus. Il y a intérêt. Enfin bref, celui qui sera éliminé est... Woody. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Oh, je suis désolé à ce que tu sois éliminé comme ça, Woody. Mais t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour gagner la récompense pour toi. Serrons-nous la main. Concurse en tant que meilleur ami de Woody, est-ce que je pourrais l'accompagner vers le wagon pour lui dire au revoir? Bah d'accord. Allez, viens. Bah il est où le wagon? Oh ouais, on a dû racheter des tas de nouveaux wagons. Donc tu vas entre soit ces trois wagons, soit ce wagon là. Qu'est-ce que tu en as envie, Woody? T'inquiète pas, Woody, je ferai de mon mieux pour cantiner les épreuves pour toi, mon coco. Ça va, Wistikram? Je suis quand même assez triste. Mais je reste fort. Fort pour Woody. Ça, c'est bel et bien un Pokémon très badass. Je suis pas badass. Je suis juste déterminé, c'est tout. C'est pas vraiment pareil. Oh, d'accord. Alors moi, j'aime beaucoup les pizzas. C'est quelque chose de sacré chez moi. J'en commande tellement de pizzas. J'en ai quand on est partout, que ce soit Pizza Pike, Pizza, ou bien encore le Pizza le Domino, quoi que ça d'autre. Tu as un sacré goût! Hé, hey, Gloria! Gloria! Ça va? Salut! Tu sais, à propos de Jack, on a parlé avec Ben et c'est vrai que j'ai tendance à trop mal juger, mais t'inquiète pas! T'inquiète pas, je m'excuse sur ce que j'ai fait! D'accord! Mario, sinon, comment ça s'est passé pour l'animation? Bah, Woody a été éliminé, Wistikram, bah, il a été triste, mais il fait en sorte de se remettre malgré ces événements. Ah, quel brave Pokémon! Ça, je te le fais vraiment pas dire. Enfin bref, Gloria, ça te dirait que, qu'on fasse une petite promenade dans la caverne? Je suis un peu occupé, je suis désolé. Pourquoi? J'ai fait ce que je peux pour m'impressionner, je comprends pas. Elle a juste besoin d'être seule, tout simplement. Bah ouais, c'est vrai, c'est comme ça les filles. Mais Luigi, tu crois franchement que Mario est fait pour avoir une copine? Marisson! Désolé Mario, désolé, je voulais pas te vexer. Non Marisson, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a, Luigi?
Ok, d'accord, j'ai fourché la langue, d'accord, j'aurais jamais dû dire ça. Je m'excuse, non, c'est pas ça. Il y aurait pas un petit imprévu? Bon, de grosse merde que vous êtes, allez directement dans le site d'épreuve. Je suis l'assistant de Goudaquin, le deuxième assistant, et vous avez intérêt à bouger vos culs ici. C'est quoi cette façon de parler? C'est trop bizarre. Enfin bref, je pense qu'on va devoir y aller. Est-ce que tu crois que c'est le chef? Non, il a dit deuxième assistant. Alors c'est qui? Non mais c'est quoi ce délire? Pourquoi vous? Vous vous êtes réunis ici? On n'a même pas encore d'idées pour l'épreuve. Eh ben moi, oui, j'en ai des idées. Bah dis-vous. Mais tu devrais pas être ici, c'est pour les candidats. Moi, je suis le deuxième assistant de Goudaquin. Excuse-moi, mais tu avais bien dit que j'étais nul dans le studio des défis extrêmes. Écoute, c'est la pure vérité, mais moi je ferai un bien meilleur présentateur, et je suis un bien meilleur assistant que ce grosse merde de chef. Hey, ça c'est raciste. Il a même pas dit de mot raciste. Ouais, mais quand même. Ok, bon, en tout cas, c'est moi qui vais animer cette épreuve. Mais non, il n'y a que moi, chef, qui anime les épreuves. Sauf que j'anime même pas les épreuves. Et Gonkers, lui, c'est un stagiaire et ils animent les épreuves, mais c'est même pas juste. La ferme. Ok, bon, je vais animer les épreuves. Mais est-ce que tu avais la permission du génie? Ouais, il a dit lui-même, badibou, même si tu es un gros fainéant, ta potentiel d'animation est vraiment la meilleure. Ça m'étonnerait. Ah bah tu veux que je te foute un branlé? Non! Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment grand-chose quoi faire parce que je dois finaliser son talent et son potentiel en tant que présentateur. J'ai reçu le message de génie du fait que je dois voir avec Conkers si oui ou non il est prêt pour être présentateur. Oh, franchement, j'ai peur. Je me suis donné tant de mal pour devenir présentateur. Bon, t'inquiète pas, on va le voir. Et on va te faire poser beaucoup de questions. Et après, tu vas pouvoir passer un examen qui va durer une épisode. C'est-à-dire aujourd'hui. Ah, d'accord. Allez, c'est parti mon kiki. Chef, surveille Badibou s'il fait encore une connerie. D'accord. Ok, bande de grosses merdes. Maintenant, c'est moi qui va devoir animer. Et je t'interdis de prendre l'audience de Goudaquin. Oh, crachant. C'est dégueulasse. Et en plus, il y a même du Covid. Je mens. Waouh, mais t'es vraiment méchant, toi. Pourquoi est-ce que tu veux être... Ta gueule, fais-moi du sandwich puisque tu es une fille. Ça fait trop sexiste. Ta gueule! Enfin bref, l'épreuve aujourd'hui, ça se... Badibou, réveille-toi! Oh, ta gueule! Ta gueule! Non, c'est pas possible! Bon, l'épreuve aujourd'hui, ça sera... Oh! Je sais! Vous n'avez qu'à prendre les chariots, puis aller jusqu'à la ligne d'arrivée là-bas! Et... En d'autres termes, un candidat devra les pousser. Et si le perdant de l'équipe n'a pas réussi à atteindre l'arrivée, eh ben il y aura une pénalité. C'est quoi comme pénalité? Il n'aura pas d'immunité. Oh, mais c'est vraiment pas humain. Ouais, moi je m'en fous. Je suis un présentateur, donc faites le travail pendant que moi je dorme. Allez tous là-bas. Oh merde, c'est vrai, je dois... Enfin bref, vous allez devoir me rejoindre là-bas, pendant que je dorme. C'est quoi son problème? Quand j'entends Badibou, il est vraiment quelqu'un de sympa, mais quand je dors Badibou, c'est vraiment un connard. Ouais, c'est vraiment le cas. Bon, il avait bien dit prendre les chariots. Vous trouvez pas que c'est un peu illégal? Pas si tu veux qu'on gagne l'épreuve, il faut le faire. Chantal était vraiment le mieux placé de savoir qu'il faut pas obéir à ces cons. Je sais, mais il avait dit faire l'épreuve, donc je sais. En fait,
Je pense qu'on devrait peut-être pas le faire. Chanté sera éliminé s'il ne fait pas l'épreuve. Et j'ai la permission du génie. Mais c'est ridicule. Malheureusement, on discute pas. Je sais, c'est ridicule, mais on va devoir faire l'épreuve. Mais attends une minute. On a oublié qui va devoir pousser. Je pourrais porter volontaire, parce que j'ai pas vraiment fait grand-chose durant les épreuves, donc je pourrais pousser le chariot. Pas de problème, Gloria. Ouais, tu peux montrer des potentiels. J'aurais pu porter volontaire, mais après ce que j'ai fait la dernière fois, Gloria, je te laisse la place. Ouais, t'as vraiment quelqu'un de sympa. Pas de problème. Ouais, super bonne idée. J'aurais pu prendre volontaire, mais sauf que mes bras sont maigres. Pourquoi vous dites rien? J'ai pas confiance en toi. Mais je t'emmerde, la cheveux toxique. C'est même pas une insulte constructive. La ferme. Bon, si vous voulez, je peux porter volontaire pour pousser le chariot. Tu voulais essayer d'impressionner Gloria? Ouais, je peux redonner la chance. Bon, bah, si tu sais le faire, et puis... Ça permettra de te rattraper après ce que tu as dit à Jack. C'est du passé, d'accord. Bon, j'étais très dur avec lui, mais je... Ouais, si tu veux. Cette chariot-là est beaucoup plus confortable. Ah, cette chariot-là est vraiment tout pourri. Ouais, c'est clair. Bon, Gloria, t'es prête? Oui. Bon, Mario, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que t'étais en train de t'échauffer. Ben si. Avoue que tu voulais faire gagner ta copine, afin qu'elle n'ait pas de pénalité. Si. Mario, bouge ton fesse et fais l'épreuve. Bon, d'accord, ça va. Je croyais que tu veux plus refaire ça. Ça dépend sur de certains contextes. Bon, les amis, on va gagner l'épreuve. La détermination de Gloria est vraiment haut niveau. Mais j'ai comme l'impression qu'on a peut-être oublié deux personnes. Laquelle? Ah! Luigi est là! Alors ça va? Oh! En effet, ça peut aller! Mais... Simba! Où est-ce qu'il est, Simba? Moi... Je suis... Oh, désolé, Simba! Je t'avais même pas vu! Bon, qu'est-ce que tu fais, c'est pour Gloria? C'est bloqué! Quoi? Oh, Gloria, tu pilotes, donc tu gères. Recule. Ok. Tu fais exprès? Même ma mère, elle court plus vite que ça. C'est normal. Tais-toi! Attends une minute. Ils sont où, les autres équipes? C'est pas vrai! On est en train de perdre! Non. Là, on voit Badibou, donc ça voudrait dire qu'on est déjà en tête. Gloria! Mario! Non, Mario, c'est pas le moment! Pourquoi? Mais c'est ma copine, après tout! Mario, je peux comprendre ton idée, mais... Là, il faut qu'on gagne l'épreuve! Tu veux vraiment sacrifier juste pour ta copine? Ou au lieu de penser les autres? On pourrait un peu attendre au moins Gloria, afin qu'ils soient un peu plus à peu près équilibrés, parce que sinon ce serait trop facile. Ok, bon, ça marche pour ça, mais pas à la dernière minute. Bon, d'accord. Je vais juste essouffler. Comme ça, ça permettra de me faire gagner des forces. Ouais, c'est ça. Je peux y arriver. Bon. Bon, les gars, je pense qu'on a peut-être pris un peu trop de retard, mais rassurez-vous, rien n'est encore dit. Vous savez... Gloria, j'ai confiance en toi. C'est facile à dire. Gloria, concernant sur Mario... Oh, je m'en fiche, Mario. Je comprends pas, je croyais que Mario te plaisait. Mario, y a des trucs qui va pas, Gloria? Je sais y faire. Ce sont les étoiles lumineuses. Hein? Ah, salut Gloria, ça va?
Fiche-moi la paix. Qu'est-ce que tu fais, Mario? Ben, il faudrait que je fasse un clutch à Télomène. Tu sais très bien, pour laisser les filles gagner. Mario, ça suffit. Tu ne dis pas que t'as fait exprès d'attendre jusqu'à ce que l'équipe de Gloria gagne. Mario, tu veux vraiment qu'on te fasse confiance? Ben, tu veux vraiment te prouver à la hauteur? Tu veux vraiment prouver ton pardon envers Jake? Eh ben, faites l'épreuve! Gloria, elle est capable d'accepter les défaites! Tu es bien placé de savoir! Mais... Mario! Allez! D'accord! Oh bordel! Oh non! Oh mon Dieu! Ça va les gars? Ça va? Ça va? Je veux dormir! Mariona, ça va? Ça va! Wistikram! Ça va! Ishika! Serena, ça va? Oh, à part mes quelques tenues froissées, ça va! Pen! Ouais. Bah, j'ai pas dit non plus qu'il fallait forcer, mais. Merci! Alors, on a gagné? C'était quoi comme épreuve? Tu te fous de ma gueule? Je déconne. Bon, les boules roses ont gagné l'épreuve. Et donc, ça voudrait dire que les étoiles lumineuses ont perdu l'épreuve. Et par conséquent, Gloria aura une immunité qui n'aura jamais dans la prochaine épreuve. Hein? Ça veut dire qu'elle n'aura pas d'immunité. Elle est pénalisée comme une grosse gourdasse. Quoi? Gloria, où est-ce que tu vas? Oh, c'est pas vrai. Oh, je crois que Mario l'a trop vexé. Ah, c'est pas possible. Tu avais bien dit qu'il faudrait laisser les filles toutes seules de temps en temps. Ah ouais, c'est vrai. Bah, c'est vraiment une cause de merde. Tu crois franchement qu'ils vont respecter la plupart des filles alors qu'ils critiquent les mecs? N'importe quoi. Super, maintenant Gumball et Sexy aussi, hein. Et on manquerait plus que ça. En tout cas, on a perdu l'épreuve. En tout cas, si jamais je serais éliminé, ça fait plaisir de reparticiper à l'émission. Ah, bon, bah, c'est vrai. Merci au Moustillon, ça fait plaisir de l'entendre en tout cas. Je me demande, on devrait peut-être pas rejoindre au site d'élimination, au site d'épreuve, comme on le fait souvent avant. Ouais. Ouais. Bon, en d'autres. Hey, toi, c'était pas du Covid du tout. Et en plus, y a même pas de Covid dans notre monde. Espèce de menteur de raclure. Oh, tu oses m'insulter, moi? Ah, super! Y a rien de super. Je parle pas à toi, bouffon. Mais le fait que je suis devenu présentateur, j'ai réussi l'examen. Ouais. Tout n'est pas parfait, mais tu es qualifié pour être présentateur. Ne me dis pas que vous n'avez pas commencé l'épreuve. Vous m'avez trop attendu. On a fait l'épreuve. Ah, super. C'était quoi comme épreuve? Le wagonnet vers moi. Le wagonnet vers quoi? Vers moi. Oh, c'est pas vrai. Attends, où est-ce que tu vas venir par wagonnet? Je me suis rendu là-bas. Je les attends avec impatience. Attends, les wagonnets! Ne me dis pas que vous avez servi les wagonnets pour l'épreuve! Je vais en donner. Bon, de toute façon, on peut pas changer vu le temps duré de cet épisode. Bon, qui a gagné l'épreuve? Les boules roses. Et les attardés sur les étoiles lumineuses. Et Gloria aura une pénalité. Il n'aura pas d'immunité. Attends, Gloria! Voilà. Vraiment? Tu prives vraiment d'immunité? Tu crois vraiment que c'est marqué dans les règles? Bah, ouais. T'as qu'à voir le livre. C'est le livre dit. Ouais, bah moi j'adore ce qu'il fait, sauf à l'exception ce qu'il a fait à moi. Ah, franchement, quel gros dégueulasse. Je devrais peut-être essayer de consoler Mario. Mais
On devrait te faire sortir. Hein. Le génie m'avait dit lui-même que tu as le droit de sortir de la caverne au lieu de te chercher. Avant que je sorte de la caverne, faudrait que j'essaie de parler avec Gloria et Mario. Oh. D'accord, pas de problème. Bon, enfin bref, les boulons, félicitations. Les étoiles lumineuses, malheureusement, l'un d'entre vous sera éliminé. Gloria n'aura pas d'immunité. Donc, tu n'es pas fâché contre moi en apportant enfreindre les règles, on a dit un chariot. Mais non, je suis pas fâché contre vous. Par contre, toi, je suis fâché contre toi. Oh, maintenant tu vas me virer. Tu vas oser me virer alors que tu n'es même pas directeur. Ah, tu vas me faire sortir de la caverne. Oh, je vais te faire pire que ça. Gloria, est-ce que ça va? Laisse-moi tranquille. Gloria. Tu sais ce qui vient de se passer? J'ai perdu l'immunité à cause de toi. Écoute, Gloria, c'est juste l'épreuve, mais t'en fais pas. Il y a quand même des gens qui t'apprécient beaucoup. Tu risques pas d'être éliminé. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Ce qui m'arrive, tu t'en fous royalement. Non, Gloria, je t'assure que je m'en fous pas royalement. Ça arrive à tout le monde. Même moi, j'ai perdu dans l'épreuve, mais moi, je dis rien. Alors, tu t'en fous de moi, c'est ça? Non, ne raconte pas, je fais du souci pour moi. Attendez, fille, pourquoi est-ce que j'ai resté pour que tu puisses gagner l'épreuve? Alors pourquoi tu l'as fait, hein? Pourquoi tu as fait gagner l'épreuve? Ben m'a dit que je peux pas tout le temps te faire plaisir et Luigi m'a dit que je dois te laisser toute seule. Eh ben il a raison, Luigi. T'aurais dû me laisser toute seule. Mais évidemment, t'en as fait qu'à ta tête. Je veux pas avoir un petit copain qui ne fait que critiquer tout le monde. Je veux pas avoir un copain qui ne fait que rager. Et en plus, ta façon dont tu as incité à la haine envers Simba et Franklin avant. Mais on s'est excusé. Ouais, bah tu vas en refaire après. Je veux pas avoir un gars qui a un caractère de coup, casse-cou, et qui est même trop grossier, et voire même très très désagréable. Et en plus, tu es trop violent. Tu as même frappé ton propre frère. Gloria, mais je suis vraiment désolé. Je veux plus jamais te revoir, Mario. S'il te plaît, ne m'approche plus de moi. Je veux plus jamais que tu m'approches de moi. Non, Gloria, attends, écoute. C'est terminé entre nous. Gloria. Attends. Mario, ça va? Conker, tu sais, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Non, c'est pas ta faute. J'ai fini par comprendre. J'ai perdu Gloria. J'ai tout perdu. Maintenant, tout le monde... Est-ce que c'est vraiment comme ça? Tu peux avoir une autre copine. Non. Je veux plus avoir d'autres copines. La première fois, ça va, mais la deuxième fois, c'est fini. Mario, ne dis pas n'importe quoi. Non, je suis bien piassé de le savoir. S'ils veulent pas un Mario qui a un caractère de rebelle, s'ils veulent pas avoir un Mario... Puis de toute façon, je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas fait pour avoir des copines. Mario... Désolé, Conkers. Je t'apprécie beaucoup. Je sais que c'est pas la faute de Jake. C'est moi qui me suis emporté. Plus jamais. J'ai compris maintenant. Je dois reprendre à mon habitude. C'est-à-dire... Mario! Je pense que j'ai déjà eu ma chance. Je vais devoir retourner à l'IDRO. J'ai été super content du fait que je sois présentateur. Mais après en ayant vu, je sais pas. Et voilà. Ça faisait longtemps, tu sais, Nintendo Switch. Bon. Ben, il me reste que toi au moins. Bon. Bah, puisque les chariots ont été tout détruits à cause de vous. Enfin, ils sont pas détruits, mais ils sont juste... Enfin bref, tu vas devoir utiliser ce chariot pour le retour. Ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es présentateur? Ah, c'est le fait que ta couronne a disparu?
Ça, à la limite, c'est un détail. Mais ça te regarde pas. Ok. Ah, bon départ. Il me fatiguait tellement. Mario, c'est-à-dire Nintendo Switch? Tu l'avais emporté malgré tout? De base, je voulais juste l'emporter, juste pour me sortir bien. Mais c'était pas pour jouer. Parce que, quand j'avais une copine... Non, ne dis pas que... Oh, Mario, je suis vraiment désolé pour toi. Non, c'est pas grave, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû me comporter comme un gros con. Je ne veux plus être le Mario qu'il était comme avant. S'il te plaît, Luigi, j'ai besoin d'être seul. Pendant un bon moment. Et la compétition, t'inquiète pas, Luigi. Je continue l'émission malgré tout. Mais... Je pense que le Mario ne sera plus jamais comme avant. Mario, ne dis pas ça. Ne dis pas que tu vas quand même te changer esprit juste parce qu'une copie t'a largué. S'il te plaît, Luigi. D'habitude, Mario est toujours... Il dit toujours, ouais, t'inquiète pas, je suis toujours un rebelle, mais... Là, j'ai comme l'impression que ce n'est plus du tout... comme je l'avais pressenti. Gloria l'a largué? Voilà un objectif auquel je pourrais me faciliter lors de l'élimination. Pour ta punition, pour avoir forcé les candidats à prendre les chariots alors que c'est interdit, tu vas devoir lécher toute la partie de la cuisine. Mais il n'y a pas de cuisine dans une caverne, c'est quoi ce bordel? Ça, c'est la seule cuisine du chef. Et pourtant, il ne fait même pas de repas. C'est parce que personne n'a me demandé, parce qu'ils savent que le repas du chef est dégueulasse. Enfin bref, tu vas devoir lécher tout ça. Rien à foutre. Laser glace. Non. Maintenant tu fais. Oh, putain de merde. J'ai envie de rien foutre.